Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens dans une vidéo haul aujourd'hui, la fourmi créative. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'avais commandé sur la fourmi créative, mais déjà je voulais faire un petit point. Donc j'ai fait énormément de hauls ces derniers temps, mais pour celles qui ne sont pas au courant, je fête mes 30 ans la semaine prochaine. Donc clairement, je me suis fait plaisir. Clairement, c'est pour ça. Il n'y en aura jamais comme ça des hauls. Ça sera la première et la dernière fois de je sais pas combien de temps. Mais voilà, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de pouces en bas. Je m'en fiche complètement parce que je ne me fie pas aux pouces du tout. Mais voilà, j'ai senti qu'il y avait certaines personnes qui étaient pas jalouses, mais un peu exaspérées, je pense, de mes hauls. Mais je vous rassure, celui-ci, c'est le dernier. Ouais, avant-dernier, voilà, de ce mois-ci. Et de cadeaux d'anniversaire, à part AliExpress, que voilà, vous savez les prix. Ça, j'en ai reçu d'ailleurs, j'inclurai vite dans cette vidéo ce que j'ai reçu à la fin. Mais voilà, vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas tout le temps des hauls comme ça. Donc, trêve de blabla, ma commande. Cette collection de papier que j'ai commandée, ça fait plus d'un an qu'elle est sortie, mais j'ai commandé deux kits à Corinne Gleaner que je devrais recevoir d'ici la fin de la semaine. Et en fait, il y a un de ces kits qu'en fait j'ai acheté la collection. Donc, pour les prix, est-ce qu'ils sont. Voilà, je vais essayer de vous les dire. Donc, déjà en petit cadeau, j'ai eu ce petit tampon en bois. Donc, c'est le fleur. Mise au point, s'il te plaît. Il veut pas. Voilà, fleur de chez. Fabriqué en France. Ah voilà. Voilà, donc ça c'est mon petit cadeau. C'est moi qui l'ai choisi. Alors, on va attaquer par les fleurs. Donc, c'est la collection Prima de chez Saint-Tropez. Ça fait vraiment longtemps que je la voulais et là j'ai craqué. Donc, en premier, j'ai commandé ces fleurs-ci. Donc, il y en a 100 dedans et les 100. J'ai payé 5,50 €. De toute façon, je crois qu'elles sont toutes à 5,50 € les fleurs. Donc il y a celles-ci, elles sont petites, mais moi je les trouve magnifiques. Il y a celles-ci, pareil, à 5,50 €. Voilà, de toute façon, les collections Prima, moi à chaque fois, j'adore. Celles-ci, elles sont magnifiques, elles sont en tissu. Donc pareil, elles étaient à 5,50 €. Il y en a 24 dedans. J'espère que vous les verrez bien. J'ai l'impression que c'est flou. Voilà, j'adore. Et les dernières fleurs que j'ai commandées, elles sont en style de tissu un peu bizarre. Il y en a 6 dedans, toujours à 5,50 €. Voilà. Donc pour les fleurs, c'est fini. J'ai commandé tout ce qui était éphéméra. Voilà, il y en a 71 pièces. Ça m'a coûté 5,70 €. Donc en fait, on a deux transparentes. Voilà, des découpes transparentes et des die-cuts. Voilà, et on a tout ceci. Donc là, je crois que c'est les transparentes. Ouais, là, c'est les transparentes. Et à côté, c'est les découpes. Ça, je l'adore, celle-là. Ça et l'ananas, c'est super joli. Petit scooter. Voilà. J'ai commandé les cristals. Il y en a 48. Voilà, ça fait partie de la collection aussi. Donc j'ai payé ça. Alors, 4,35 €. Voilà. Après. J'ai commandé les chipboards, voilà, comme ceci. Alors, il y a le foil, hein, je ne sais pas si si vous vous en rendrez compte à la caméra. Ouais, bon, bref, si vous voyez un petit peu le foil. Voilà, donc il y a ces chipboards et voilà, toujours avec l'encre qui est sublime. Voilà, donc les chipboards, je les ai payés 6 €. Voilà. Et après, on va aller dans le papier. Je vais enlever le carton qui me gêne. Donc, j'ai pris. Déjà, je vais me munir d'un cutter pour l'ouvrir. Voilà. Donc, j'ai pris le pad
En 20-32 par 20-32, ben, je pensais ne l'avoir pas pris, avoir pris que celui. Ou alors il y a une. Non, j'ai bien pris les deux. Donc le 20, c'est 10,95 €. Donc, bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Ah, je suis flou. Voilà, donc on en a 5 de chaque, je crois. On a celui-ci de papier. Je vais faire comme ça sera beaucoup mieux. Comme ceci. Après, il est tellement vieux, ce papier. Alors, celle-là, elle est magnifique aussi. Bon, ça, je trouve que ça ne s'accorde pas super bien avec le papier, avec la collection, mais bon, je m'en servirai quand même. Donc, j'ai pris le pad en 20,5 par 20,5 et j'ai pris le format A4 que je pensais ne pas avoir pris le 20-20, mais c'est pas très grave parce que, et 10,95 €, je me suis rendu compte qu'en vérité, les pads en 20-20 et en A4, c'était le même prix, sachant que le A4, je vais vous les mettre les deux à côté pour vous rendre bien compte. Voilà la différence. Donc finalement, on gagne un petit peu sur la largeur là et un est vachement sur la longueur. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben non, je vais prendre, comment ça s'appelle, le A4, parce que bon, au même prix, il n'y a pas photo. Donc ça pour les papiers, mais je me suis acheté les papiers avec le foil parce que dans le bloc, il n'y a pas le foil. Donc j'ai pris celle-ci. Donc là, vous voyez bien le foil. Voilà, c'est sublime. Voilà derrière. Voilà. J'ai pris celle-ci aussi. Voilà le foil. J'espère que vous le verrez. Voilà, c'est magnifique. Cette collection de papier. Donc c'est pour ça, vu que j'ai pris le kit, je me suis dit, si je veux faire un album un peu plus gros avec le kit, eh ben, j'aurai ce qu'il faut. Et puis là, je suis parée pour... pas mal d'albums. Cette page en fait c'est, voilà, c'est les petites pistils qui sont dorées. Derrière nous avons les cartes. Celles-ci, les cartes, elles sont, vous voyez là le bingo là. Voilà, vous voyez, hop, c'est magnifique. Voilà. Et non, j'en ai pris deux. Celle-ci, ben, je l'adore. Hein. Vous verrez le foil, ben, les petits cœurs. Voilà. Et derrière, comme c'est vrai qu'il est magnifique ce papier. En vrai, je suis vraiment fan. Et lui, alors lui, n'en parlons pas, le foil, c'est tout simplement sublime. Sublime. Voilà, je l'ai enfin reçu. J'attends plus que deux petits blocs. Oh ben j'arrive pas, en 30,5 par 30,5 de pareil la fourmi créative que j'ai pris, c'est Sweet Baby Boy et Sweet Baby Girl parce que j'ai beaucoup de boîtes à faire naissance et je n'ai plus du tout de papier, donc du moins en 30,30 j'en avais plus du tout, donc pas le choix de commander, mais bon ça je ferai pas en vidéo, ça sert à rien. Et maintenant je vais vous inclure vite fait les deux trucs que j'ai reçus de Wish. Au moins, je peux les ranger. Hop. Donc, déjà, j'ai eu un petit mot merci parce que j'ai commandé ceci. Donc, c'est un lot de 50. Voilà. J'ai trouvé ça super joli pour mettre sur des boîtes, des albums, tout ça. Donc, il y en a 50. J'en ai même une en plus parce que ma fille a compté. Il y en a 51. Avec les petits clous que j'ai l'impression que les petits clous, ils ont la. Je sais pas quoi dessus, mais bon, les clous, moi je m'en fiche, je colle tout sur la colle. Et ça a été super gentil parce que j'ai eu un petit cadeau. Alors, j'avais même pas vu que j'avais un petit cadeau, c'est ma fille qui m'a fait voir. J'ai eu une petite licorne, voilà, un pendentif, enfin un porte-clés. Voilà, donc c'est très très gentil. De tout ce que je commande, c'est la première fois là que j'ai un petit cadeau, donc je suis super contente. Voilà, et j'ai reçu enfin mes deux tissus que j'attendais, c'est les deux derniers. Je crois qu'ils font, je m'en rappelle plus, 40 sur 50 ou sur 70, je sais plus. Mais voilà, j'ai vu ça sur sur Marie Chalanova. Donc, ben, mon album, je pense que ma couverture, elle sera faite avec ça. Donc, il y a
le couleur bleu foncé et le couleur blanc. Je sais pas lequel des deux je me servirai. Voilà, meilleure qualité que les autres, mais j'adore. Et dernière chose que j'ai commandé, donc les prix, je vous les inclurai en haut de la vidéo parce que je sais pas pour Wish. Clairement, pour la fourmi créative, vous avez eu les prix au fur et à mesure. J'ai commandé des pochettes comme ceci. Donc, c'était des lots de 12, 4 euros et des brouettes, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai eu même une en plus et j'en ai commandé 3 paquets. Donc, j'en ai eu 37 à la place de 36. Et en fait, c'est des pochettes comme ceci. Voilà, qui s'ouvrent. Donc là, je vais les recevoir, voilà. Et qui se ferment comme ceci. Voilà, donc je vais ranger tout ce qui est die cut parce que j'avais mon petit rangement nul. Enfin, j'avais fait des pochettes mais qui ne se fermaient pas. Donc là, je me suis dit ben, pourquoi pas. J'avais envie et puis je pense que j'en aurai même de rab. On verra pourquoi je m'en servirai. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.